silence. Monsieur Richard est absent aujourd'hui. Je suis monsieur Félix, son remplaçant. Nous allons faire une leçon sur la tolérance et la différence. Alors prenez vos cahiers et recopiez. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence? Donnez-moi quelques exemples, je vous écoute. Monsieur, quand quelqu'un est très moche, par exemple, ou qu'il a un gros nez... Oui, très bien. Alors, est-ce que l'on doit se moquer de ceux qui ont un gros nez? Non. Monsieur, quand quelqu'un porte des grosses lunettes de pépé? Bien. Est-ce qu'on doit se moquer de ceux qui portent des grosses lunettes de papy? Non. Alors, quelqu'un a un autre exemple à me donner? Monsieur, quand quelqu'un est gros ou qu'il a un gros bidon? Très bien. Est-ce qu'on doit se moquer des gens qui sont gros ou qui ont du ventre? Non. Un autre exemple? Monsieur, quand quelqu'un sourit, qu'il lui manque des dents. Oui, très bien. Bien. Est-ce qu'on doit se moquer? Non. Bien. Eh oui, c'est ça la tolérance. C'est d'accepter toutes les différences. Le phasme est un insecte qui, pour survivre, se transforme en une véritable brindille. Il peut rester immobile très longtemps pour se confondre avec les végétaux. Regarde par terre, il y a un phasme et une brindille. Devine laquelle est la brindille. Facile, c'est celle-là. Et non, perdu, c'était l'autre.